Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit tour automatique qui est vraiment très sympathique, que j'ai découvert il y a peu de temps sur la chaîne YouTube de Magie Expliquée. Voilà. Donc je vais très rarement sur les chaînes de magie, c'est pas mes concurrents, hein, mais je vais très rarement sur les chaînes de magie sur YouTube. J'ai pas besoin parce que j'ai tellement de livres et j'ai tellement de vidéos à regarder que j'ai pas besoin d'aller voir les chaînes. Et c'est un abonné qui m'a fait découvrir ce tour, donc je le remercie parce qu'il est vraiment super. Donc voilà, donc je me permets de vous l'expliquer aussi. Donc vous pouvez montrer les cartes à votre spectateur, sans problème. Vous pouvez même mélanger, si vous voulez, avant, plusieurs fois. Et vous demandez au spectateur de couper le jeu. Donc il coupe où il veut. Donc ensuite vous reprenez le jeu en main, après vous n'y toucherez plus. Et vous allez enlever les deux jokers dans le jeu. Donc le premier joker ici, et le deuxième joker... ici, ok. Donc ça, on n'en a pas besoin pour la routine, on les met de côté. Ensuite, le spectateur va devoir faire trois tas à peu près égaux. Donc là, vous ne touchez plus jamais aux cartes. Vous lui dites de prendre le jeu en main, de prendre le quart du jeu à peu près, de couper et de mettre ici à gauche. De couper un autre paquet, de mettre au milieu et l'autre tout à droite. Donc le spectateur vient de faire trois tas. En coupant, vous allez lui faire choisir une carte dans ce tas-là. Donc vous lui montrez les cartes comme ça, il s'arrête quand il veut, le choix est libre, il n'y a pas de forçage. Le jeu a été mélangé, il tombe sur un 9. Vous lui expliquez qu'il va devoir commencer avec cette pile-là, avec ce tas-là, de prendre des cartes dans les mains et de distribuer 9 cartes. Et ensuite de distribuer une carte ici et une carte ici sur ce tas. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il fait une et une. S'il lui reste des cartes, il repose le reste des cartes par-dessus. Et donc il va faire ça avec les deux autres tas. Donc il prend celui du milieu et il fait 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une carte ici, une carte ici. Et le dernier tas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une carte ici, une carte ici. Voilà, vous égalisez. Vous demandez au spectateur de retourner chaque carte de chaque paquet. Et ici, c'est magique, on tombe sur la famille des 9. Donc je trouve ça excellent, franchement ça marche à tous les coups. Ça marche que si vous faites une petite préparation bien sûr, donc vous allez prendre 4 9. Ça c'est très important. Vous allez prendre 4 5 et vous allez prendre 4 3. Ça ne marche que avec ces cartes-là. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre d'autres cartes. Donc il me manque un 5 ici. Et vous allez prendre deux jokers. Donc il vous faut un jeu de 52 cartes plus deux jokers. Vous allez prendre les 4, donc vous allez prendre les 5, les 9 et les rois, et vous allez poser. Et vous allez poser les 9 sur les 5 et les rois sur les 9. Ensuite, vous allez prendre 3 cartes aléatoires dans votre jeu, peu importe. Vous allez les mettre face cachée, vous allez prendre un des deux jokers, mettre un joker par-dessus, retourner ce tas-là, poser le tas de gauche sur celui-ci. Posez ce tas sur le reste des cartes et le joker vous le mettez où vous voulez. Donc là vous pouvez montrer un jeu de cartes à votre spectateur. N'allez pas trop loin non plus. D'accord? Vous arrêtez au roi pour pas qu'on montre le montage ici. Donc vous dites voilà, on a un jeu de cartes. Vous pouvez mélanger. Donc je vous conseille de faire un mélange indou. Vous pouvez couper une grosse partie et mélanger les cartes. Vous le faites deux fois, ça suffit. Vous demandez au spectateur de couper le jeu. Et vous dites, voilà, avant de commencer le tour, je crois bien que j'ai des jokers, j'en ai pas besoin. Vous faites genre, vous avez oublié. Et vous allez retirer les jokers. Donc vous allez en voir un qui est tout seul, celui-ci, vous le retirez. Vous retirez d'abord celui-ci, d'accord? Où il n'y a pas le montage. Des fois, il est avant, il peut être après, peu importe. Vous en retirez un et vous allez chercher l'autre qui est juste après votre montage, après les trois cartes quelconques. Vous voyez votre montage ici. Les trois cartes quelconques et votre joker ici. Celui-ci, vous le retirez et vous coupez et vous passez toutes les cartes du bas en dessous, sur le dessus du jeu, comme ceci. Vous dites on n'a plus besoin des jokers, on va les mettre de côté. Et là, vous proposez au spectateur de faire trois tas. Donc vous pouvez le laisser faire, vous lui dites de couper le quart du jeu et de le déposer à gauche, de couper la moitié, de déposer au milieu et le reste à droite. Donc là, il vient de faire trois tas. C'est lui-même qui a coupé. On va lui faire choisir une carte dans ce tas-là. Donc bien sûr, vous allez lui faire choisir une carte parmi le montage, soit le roi, soit le 9, soit le 5, ce qui vous laisse 12 cartes.
Vous avez les trois premières cartes quelconques au début. Après, vous avez votre montage jusqu'ici et les trois dernières qui ne servent à rien. Donc c'est très facile. Vous dites voilà, vous allez choisir une carte vers le milieu du jeu. Ou soit vous faites défiler les cartes comme ça. Vous me dites stop quand vous voulez. Et là, forcément, il va vous dire stop dans le montage. C'est obligatoire. Imaginons, il vous dit stop ici. Vous déposez. Vous retournez la carte 1-9. D'accord? On va changer. On va prendre le 5. Imaginons, il prend le 5 ici. Donc là, vous avez choisi le 5. Vous allez prendre le paquet de droite et vous allez déposer 5 cartes une à une. Allez-y. 1, 2, 3, 4, 5. Vous le laissez faire. Ensuite, il doit prendre la carte du dessus et la déposer sur le paquet qui n'a pas été choisi. Ensuite, de prendre la carte suivante et de la déposer sur le paquet qui n'a pas été utilisé. Le reste des cartes, il le dépose sur les cartes qu'il vient de prendre à droite. Et il va faire pareil avec ce tas-là et ce tas-là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Il dépose sur le reste des tas. 1, 2, 3, 4, 5. Il dépose. Et là, en déposant, en fin de compte, et donc là, forcément, on a les trois autres 5 ici. Et en déposant une ici et une ici, on vient de déposer un 5, un 5. Et l'autre est ici. On dépose le tas. Et forcément, on demande au spectateur de retourner et on tombera sur les trois autres 5 qui composent cette famille. Donc c'est un tour très simple à effectuer et très impressionnant. Vous allez voir ce qui se passe si on le fait avec un roi. Donc vous faites choisir une carte, il dit stop ici. Donc vers la fin, c'est le roi de pique. Et vous lui dites que par exemple, le valet c'est 11, la dame c'est 12 et le roi c'est 13, il va devoir compter 13 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il dépose une carte ici, une carte ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il dépose une carte ici, là il n'y a plus de carte, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ensuite 1 et 2, on dépose. Vous égalisez bien pour que ce soit joli, toujours. Et vous demandez au spectateur de retourner chaque carte. Et on tombe sur les 3 rois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. A très bientôt. Merci à vous. Bye bye.